Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Quand le scandale du trafic de passeports diplomatiques touche la présidence de la République, les doutes sur l'indépendance de la justice sont encore au devant de, de l'actualité. Le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal a pris la parole pour la première fois pour en parler. L'opposition et les associations de la société civile sont convaincus que l'exécutif manipule le judiciaire. Nouvelle manifestation vendredi à Dakar pour dénoncer cette immixtion réelle ou supposée de l'exécutif dans le judiciaire. La, la victoire de la semaine, elle est pour euh, le Thieboudjian, le plus célèbre euh, des places sénégalais, a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, l'Organisation euh, des Nations Unies pour euh, l'éducation, la science et la culture. Et après, cette consécration se pose, euh, cette cons consécration pour euh, euh, l'arc lunaire sénégalais se pose maintenant la question de l'accessibilité du Thieb, tellement le pouvoir d'achat dans ce pays, se tasse. Tcherno Alassane, salle, bonjour. Bonjour, Babacar. Bienvenue dans, dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est mon plaisir et c'est toujours un immense plaisir d'être en face de vous et de m'adresser à travers vous aux nombreux Sénégalais qui vous suivent. Cette victoire euh, de notre plan national qui remet au goût du jour la question de la cherté de la vie, la hausse des, des prix des, des denrées, dernière en date, le prix du pain. Oui, mais je m'arrête d'abord sur votre propos liminaire, qui en soi est un constat et un réquisitoire, même si vous allez peut-être ne pas le prendre en ce sens. Mais c'est un constat froid et clinique de la situation malheureusement grave qu'on vit dans ce pays-là, l'indépendance de la justice, les, passe les trafics de passeports, toutes, toutes ces questions sur lesquelles on, on viendra. Mais ce n'est pas le propos de... D'un Sénégalais aigri, d'un Sénégalais mécontent, mais c'est les propos d'un observateur objectif qui met les faits devant les, euh, devant les Sénégalais. Euh, la cherté de la vie, euh, on devrait s'y attendre. Un pays qui ne produit pas, euh, dont les plans de production de riz, on se rappelle l'autosuffisance en, en riz, promise en 2017. Où on a injecté beaucoup de milliards et après on nous a dit en 2019 que cette idée a été totalement abandonnée. Vous vous, vous vous rendrez compte que même le PSE maintenant ne fait même plus l'objet de discussions et de débats parce que son échec est patent. Alors, un pays qui ne produit pas, dont le, la population croît et face à un monde post-Covid où l'inflation effectivement est réelle. Parce que, mais qui ne touche pas les matières premières fondamentalement agricoles ou, ou des produits vivriers, mais qui touche à d'autres secteurs, mais qui auront des répercussions. Ce pays-là est condamné à subir toujours les contre-chocs de ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'a créé aucune résilience. Et vous vous souviendrez que pendant la période... de C'est alors, alors une excuse valable pour, euh, pour les dirigeants euh, absolument pour justifier pas. ces... Absolument pas. Être dans une position de, de subir les, chaque, et de manière forte et sans atténuation chaque choc ex, ex, exogène ou endogène, c'est dire la fragilité extrême dans laquelle nous nous sommes délibérément mis. mis. Euh, nous avons trois grands fleuves. Nous avons la capacité de produire davantage de riz, puisque le bouddhien est le plat national. Donc pourquoi nous importons, notre facture d'importation de riz ne fait que qu'augmenter euh, d'année en année. Nous avons quasiment donné des monopoles de production de, de, de sucre à la société CSS qui avait bénéficié des fonds sénégalais en 68 avec le fonds coessien et qui aujourd'hui est dans les capacités d'améliorer sa, sa production de sucre et de la rendre compétitive. Nous produisons, produisons de l'arachide. Et notre production stagne depuis 1974, où on a eu un record de 1,3 million de tonnes, excusez-moi, pour une population qui a augmenté. 1,8 million quand même, officiellement l'année dernière. Oh, bon, vous savez, cette année, ça a baissé. La, le, la population... L'instabilité de, les de la météo, de la pluviométrie, le, le, a fait que le, cette année, on a moins de production d'arachides. Non, pour, en 1974, 1,4 million de tonnes, on était moins de 5 millions de Sénégalais. Donc, toute proportion gardée, euh, la production per capita est beaucoup plus faible. Et, et les sols sont en train dangereusement de s'appauvrir. Et nous n'avons rien inventé ou tenté de nouveau pour sortir de cet régulier incroyable où euh, nos seules productions, d'ailleurs, sont des productions de matières premières que nous ne transformons même pas. Puisque même notre arachide, nous nous, nous, nous nous flattons de l'exporter vers la Chine quand les Chinois en veulent bien. Donc nous nous sommes mis tout seuls et délibérément dans une situation où nous sommes victimes de moindres chocs. Choc. Il faut et plus que jamais euh, en train réfléchir, de dire, travailler sur la diversification accrue de notre agriculture. Mais le président en avait fait d'abord son leitmotiv en 2012 avec l'autosuffisance en riz et l'autosuffisance alimentaire de manière générale. Mais vous vous souviendrez que durant la période Covid, il avait promis de, de, justement de faire une, un, un nouveau pari, de rendre le Sénégal plus résilient. Parce qu'à ce moment, tout le monde avait compris que nous sommes dans une situation telle que si nous ne prenons pas des mesures, les contre-cours de, de ce qui nous arrive actuellement viendraient et fatalement nous seraient graves pour le, le Sénégalais. Donc, aujourd'hui, euh, oui, le Tchaboudien est consacré à l'UNESCO, mais Combien de Sénégalais mangent un tchèboudien digne de ce nom Puisque nous sommes producteurs de poissons et malheureusement, le poisson ne profite même pas aux Sénégalais. Le mire est exporté, si pour ce qui reste d'ailleurs de nos, nos ressources halieutiques. Alors, euh, les Sénégalais mangent un plat par jour. L'inflation monte de manière drastique, par, prend l'ascenseur et euh, le pouvoir d'achat prend les escaliers, mais pour descendre. Pour Quand on apprend également que 700 000 Sénégalais sont menacés d'insécurité alimentaire au centre, dans le nord. 40 des Sénégalais vivent en dessous, sous le seuil de la pauvreté, avec moins de 1 dollar par jour. C'est ça la réalité des chiffres. Et on peut tout dire, parler de taux de croissance, se gosser d'un budget qui a, qui a atteint 5 000 milliards. Euh, nous projeter les, ce qui se passe à Diamna Ndiaye, mais la réalité des Sénégalais, c'est que 40% vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Vous allez sur le terrain, les gens vous disent, vous parlez politique, vous parlez des questions très complexes, mais nous, nous n'arrivons pas, pas à vivre. Et vous le voyez d'ailleurs sur l'état de santé des gens. Quand vous regardez les Sénégalais de l'intérieur du pays, les femmes, beaucoup d'entre elles ont le goitre ou des, ou des symptômes évidents de la malnutrition et de la détresse sociale. Des gens qui passent les nuits à se demander comment ils vont, elles vont faire bouillir le, le stress le, le, euh, permanent. Le stress permanent, de comment vivre le lendemain, comment faire vivre les enfants. Euh, et, 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 D'ailleurs, tous les indicateurs cliniques sont là hein, pour démontrer que c'est une situation extrêmement pénible. C'est la situation économique générale euh, du pays qu'il faut remettre en cause. Alors, euh, pour vous je crois qu'au bout de dix ans, force est de constater, je répète que les gens ne se gossent plus du PSE, on a oublié ça, l'émergence c'est fini. Euh, au bout de dix ans, il est clair que le, la politique économique de, de, du président Macky Sall a été un échec retentissant malheureusement. Et le budget programme de 5 000 milliards de francs CFA, adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale pour l'année 2022, il n'y fera rien pour vous oui, comme je dis souvent, l'augmentation du budget est une chose naturelle quasiment quand une population augmente et quand il y a une inflation. Si vous prenez la, rien que la TVA de 17, 18%, vous l'appliquez sur un sac de riz qui de, de 25 kg qui a 12 000 francs, qui a augmenté significativement, mais les recettes tirées de cette augmentation mécanique, mécanique sont importantes pour le gouvernement. Est ce qui était normal, c'est que peut-être le gouvernement pense à des amortisseurs sociaux. Si vous augmentez les si, si vous augmentez les prix, naturellement votre budget augmente parce que l'ensemble des T.V.A. que vous percevez sur les différentes marchandises augmente de facto. Ah, de, ce, ce la manière de voir le budget, c'est concrètement comment elle impacte les Sénégalais. Et je suis allé l'autre jour voir un ami euh, euh, proche qui était qui avait fait huit jours à l'hôpital euh, de Krayov pour une fracture de genou. Il y a un un lit, un, un, un fauteuil pour opérer les malades. Un fauteuil pour l'ensemble du Sénégal pour opérer les malades, les, 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 les traumatisés du genou. Un fauteuil. Pendant ce temps, on nous construit un hôpital, de, euh, un stade de 155 milliards pour abriter les Jeux olympiques de 2022 des jeunes. Après, ce stade ne sera plus jamais plein. 2026, pendant maintenant. 2026 maintenant. Pendant ce temps, le président de la République se paye une Maybach à 1,5 milliard. Au moment où il s'est payé C'est question de la sécurité du chef de l'État. C'est passé presque, c'est passé. Oh. Les événements de mars ont montré que la sécurité du chef de l'État dépend plus de la prospérité du pays et de la quiétude sociale. Ce qui se passe dans les pays de la sous-région montre que la sécurité, la stabilité des régimes dépendent plus de la paix sociale et de la quiétude des populations et de leur, de leur confiance en l'avenir. Vous vouliez euh, apparemment ajouter l'avion présidentiel tout à l'heure. Mais oui, l'avion, c'est un scandale dans, dans le cadre d'un pays où les gens, quand vous allez à l'hôpital ré régional de Thiès, l'hôpital régional de, la, de, de, de toute la région de Thiès, vous voyez les gens alignés d'or dans les couloirs. On leur fait des perfusions sous les couloirs. Et bientôt, peut-être sous les arbres, peut-être dans le parking autour du, du, de l'hôpital. C'est ça la réalité de notre pays. Pourquoi les étudiants sont en colère pourquoi ils sont constamment... Pourquoi leur cœur est comprimé au point où il y a une charge violente qui se dégage régulièrement Les premiers barils de pétrole et Parce les premières molécules de gaz euh, ne changeront pas non plus la donne pierre euh... eh eh, D'après les, les, les chiffres que j'avais quand j'étais au ministère, les premières recettes escomptées, dans les meilleurs des cas, c'était autour de 400 milliards par an. Donc on place beaucoup d'espoir dans, dans, dans les mains pétrolières. Ce ne sera pas l'équivalent du budget du Sénégal, loin s'en fout. Et entre-temps, on s'est lourdement endetté. Je dis, si vous regardez le budget, le, euh, le service de la dette est autour de 800 milliards. Et certainement, il a augmenté par rapport à l'année dernière. Je n'ai pas regardé les ch derniers chiffres de prêt. 800 milliards, c'est-à-dire l'équivalent quasiment de notre masse salariale pour payer des dettes. Et à quoi on service ces dettes À construire des éléphants blancs, euh, centre Abdou 45 milliards pour rien, absolument rien. Dakar Arena, 45 milliards, absolument rien. Pour un pays qui manque d'université, qui manque de salles de classe, qui, qui a des abris provisoires, où les étudiants dorment 25 dans des chambres, où ils font une queue pendant une heure pour accéder à un restaurant universitaire. Voilà les raisons de la colère, les raisins de la colère, comme disait Steinbeck dans son fameux livre. Rien ne, ne, ne procède du hasard. Mmh. Tierno Alassane, le leader du parti politique la, la République des Valeurs, candidat d'ailleurs euh, de Hervé, la République des Valeurs euh, à la ville de Thiès, mais en même temps euh, à la mairie de Thiès-Ouest, euh, votre fief. Vous êtes ancien ministre de l'énergie et ancien directeur général de la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, euh, la RTP, et les pénalités qu'elle a infligées récemment aux opérateurs de, de téléphonie. 1 milliard et des poussières pour Expresso, plus de 2 milliards de francs CFA à Free, et pour Orange, c'est une sanction financière de plus de 16 milliards. Tous les trois ont été épinglés pour, euh, épinglés pour mauvaise qualité de service. Ils contestent. Qu'en pensez-vous en tant qu'ancien DG de, de la RTP Je crois que tous les Sénégalais constatent que la qualité de service des opérateurs est largement perfectible. Si vous faites certains axes nationaux, certaines routes, même à Dakar, la VDN, vous, vous, vous le constatez. Bon, la plupart des gens qui vivent à l'intérieur du pays se disent qu'au moindre coup de vent, il faut monter sur la terrasse ou sur un arbre pour pouvoir capter le réseau. Il y a de quoi quand même. Euh, mais euh, cela ne date pas d'aujourd'hui. J'étais déjà DG de, de la RTP. L'une des premières actions que j'avais prises, c'était justement de m'attaquer à cette qualité de service-là en convoquant les principaux opérateurs. Vous avez proposé un etc. plan stratégique à l'époque, d'ailleurs. On avait proposé un plan. Et si la RTP avait fait son rôle, qui n'est pas de sanctionner, hein, mais qui est d'améliorer la qualité de service, parce que toutes ces années perdues avec une qualité de service qui était perfectible, quoi que les opérateurs font des investissements, euh, la 4G a, a, est arrivée largement actuellement. Euh, je pense que notre économie aurait gagné mieux. Les, 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 les usagers s'en seraient largement mieux sentis parce qu'au lieu d'appeler deux ou trois fois pour pouvoir mmh. passer un appel, on aurait appelé un coup, on aurait passé son appel et on serait parti. Ça, c'est une réalité. Mais de notre côté, euh, je pense que cette sanction euh, devrait être infligée à la RTP elle-même. Ah. Parce que oui, parce que c'était son travail de le faire depuis, depuis longtemps. Mais parce que si le rôle du régulateur, c'est justement d'éviter des situations où la sanction est le seul recours. C'est l'amélioration de la qualité des services continus qui, qui profitent finalement à tous, à l'économie, aux, aux usagers, etc. Mais surtout, c'est que le régulateur est mal placé pour donner des leçons, la RTP je veux dire, hein, mal placé pour donner des leçons à, à, aux opérateurs qui sont beaucoup plus performante que l'autorité de régulation. Ce qui coûte aujourd'hui à l'économie des télécommunications au Sénégal, c'est en partie aussi la RTP. Des milliards engloutis dans une... Structure qui se réveille au bout de 10 ans. Que vous avez quand même dirigé, Tcherno, à la centrale Oui, que j'ai dirigé, que j'ai cherché à. D'avril à octobre 2012. Oui, que j'ai cherché à améliorer. Et vous... Avant de rentrer au gouvernement. <laughs> et ouais. je me rappelle, lors de mon départ, euh, le pot de revoir, une partie du personnel m'a intensé pour les mesures drastiques que j'avais envisagées. Vous aviez que... déjà réduit votre salaire de 14 à 5 millions, de francs CFA Oui, oui. Et, 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 et une partie du personnel avait. avait ou le délégué du personnel de l'époque, dont je vais dire le nom, a. Vous faire mon procès durant mon pot de départ devant mon remplaçant à Boulot. Pourquoi Parce que je vais engager des mesures d'amélioration de, 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 et de sobriété. Pourquoi Parce que comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui ce qui se passe Des plans auto ou des gens qui n'ont pas droit au plan auto? Secteur général, directeur général. Vous parlez des fait. privilèges au personnel, au traitement du personnel. En particulier de l'élite dirigeante. Quand on a des voitures de fonction, secteur général, directeur général, on n'a pas droit à des plans auto. Mais c'est payer des plans d'auto avec des Lexus de 90 10 millions, 90, 15 millions. Mais c'est un scandale dans un pays, encore une fois, où on a des problèmes d'abri de, 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 provisoire, on a des problèmes de, de fauteuil pour pouvoir soit, traiter nos malades. Et cet argent, il vient d'où je, je termine d'ailleurs hein, sur, sur, sur le constat. Euh, quand des gens font des, ce qui s'est passé à la RTP du temps où j'arrivais, où je dénonçais l'achat inconsidéré d'immeubles, euh, quand des gens achètent des terrains pour soi-disant la coopérative, une coopérative, on lui donne une subvention raisonnable et puis on s'en lave les mains, mais quand on donne à la coopérative des terrains en nature, aux Almadies, où on ne sait pas, des rumeurs parlent de entre 1,8 milliard, 3 milliards, puis après à Bambilor tout comme l'affaire des immeubles où on achète, puis on achète sans, sans, sans construire. Bambilor, on parle encore d'un ou de deux milliards. Les plans auto, les voyages à l'extérieur du pays. Moi, j'étais déjà, quand je suis arrivé, on me dit. Si vous arrivez en France, on vous loue une voiture avec chauffeur. Je dis, je n'ai rien à faire avec une voiture et un chauffeur. Le ministre. Et, et ça, ça avait scandalisé l'assistante qui me disait ça. Elle trouvait que j'étais. Bon, genre. Euh, je ne savais pas quoi. Je n'étais pas in. <laughs> je lui dis, mais vous connaissez la ministre française de l'écologie Elle prend le tramway, elle prend le métro et ces gens nous aident. De quoi auront-ils l'air Et ces gens sont en train de louer des véhicules dans des conditions scandaleuses. Quand ils se déplacent des frais d'hôtel à 700 euros la nuit aux frais de la princesse et ces gens voyagent sans arrêt. La RTP a reçu énormément de ressources des opérateurs. Qu'est-ce qu'elle en a fait En quoi Et ces ressources-là, ces ressources-là proviennent d'où Mais de, du client elle, final. Elle, elle, elle ne verse pas directement au trésor public. Hein? Bon, finalement, il y a deux ans ou trois ans, le trésor public s'est dit, bon, il faut qu'on mette fin à la bamboula parce que la situation est difficile et qu'on qu'on reçoive directement nous les ressources de la RTP puis on leur donne un montant qui leur permettrait de fonctionner. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre cet amende là. Parce que si le gouvernement avait voulu bien faire lors de la euh, du renouvellement de la concession en 2016 vous savez que ce France Télécom, son atel a été soi-disant privatisé en 96 dans des conditions qui étaient ridicules. Racheté, société publique privatisé, racheté par un, une autre société publique. Une filiale de France Télécom de l'époque, France Câble et Radio. <laughs> Il n'y a pas plus, plus scandaleux que ça. Et en deux ans, ces gens avaient repris la moitié de leur mise. Mais bon, au bout de 20 ans, on doit renouveler la concession. Nous, nous quand on est arrivé, moi, le premier chantier que j'avais, c'était de faire l'audit de la concession de la Sonatel sur les années écoulées et de préparer l'avenir. Préparer l'avenir en quoi faisant En voyant toutes les, toutes les failles et les limites de cette concession. Et en essayant de négocier s'il y a lieu avec d'autres. Mais je pense même pas qu'il fallait euh, reprivatiser, redonner à des L'État sénégalais est quand même actionnaire à 27% dans le capital de cette société-là, en hein, plus des, de la TVA et autres taxes captées euh, euh, qui vont au trésor public, quand oui. même. Oui, et je viens, reviendrai sur ce point, mais je termine rapidement. C'est-à-dire le renouvellement de la licence aurait dû être l'occasion de renégocier les conditions. De, de, de nos rapports, de, notre contrat de partenariat avec Orange dans des conditions qui soient plus favorables pour l'économie du système sénégalais. Parce que Sonatel est le navire amiral des de, 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 de télécommunications au Sénégal, mais n'a pas créé dans son sillage des petits qui permettent d'avoir de petites entreprises de prestations de services, des petits laboratoires, des petites entreprises qui, qui créent des logiciels. les MVNO sont là aussi maintenant. Là. Tout. tout c'est une autre histoire. C'est justement parce que l'État a voulu euh, utiliser le Fonds de développement du service de, de télécommunication, universel de télécommunications. Pour... Mais euh, si vous voyez la, ce qui se passe à son et là l'État, là où l'État est présent au Conseil d'administration, puisqu'il est actionnaire, c'est là où le rôle de l'État et de la RTP aurait dû se situer. Euh, D'une, faire en sorte que le centre d'excellence qui nous a échappé, qui est en, en Côte d'Ivoire et au Maroc, puisse être au Sénégal faire en sorte que des sociétés comme Atos qui viennent faire des prestations, qu'on puisse avoir nous aussi des, des sociétés sénégalaises. Il y a, je fais pas de publicité, mais il y a un jeune sénégalais idéal qui s'était qui installé, mais qui, n a, qui a eu du mal à gagner des marchés. Mmh. Euh, faire en sorte que donc que tous les produits, euh, vous vous rendez compte, le, 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 le branding fees, dire que on utilise la marque Orange seulement, fait qu'on prélève une partie du pourcentage. Du chiffre d'affaires, je crois que c'était 1% ou 0,8% pour payer à Orange. Le fait qu'on utilise ça, c'était des choses à réévaluer. C'était le rôle de, de l'ARTP, de Orange, de, de, de l'État en tant qu'actionnaire. Mais quand on est dans une logique de, 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 de profit, mm. de profiter de la bête, parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez compte, il y, y a près de 15, 10 à 15 hauts cadres qui sont là-bas mis au frigo, payés près de 50 millions par mois, chaque, par an chacun, qui ne font rien. Pendant ce temps, on recrute de la clientèle politique à qui on donne des postes de responsabilité très élevés en leur octroyant des voitures dans le cadre du carplan pour pouvoir leur donner les moyens de faire la politique. Voilà qu'une boîte où on aurait dû euh, recruter que des gens spécialisés, compétents, qui, ont, qui savent ce que c'est que la régulation, on recrute des gens qui n'ont jamais travaillé. Alors, ça, c'est un, un gros problème. Et pour terminer sur l'ARTP, la on, on y viendra peut-être, l'actualité, les, les, oui, les, oui, les clous oui. au puilerie. La oui. poste, parce oui, que dans l'ARTP, oui. oui, on nous dit qu'il y a poste. On va rester dans ce domaine, Tierno Al-Sansal, pour parler de la situation de la Société nationale de la poste, puisque l'ARTP régule aussi les postes. Euh, euh, la crise après le limogeage du patron de Poste Finance, euh, une filiale de la Société nationale de la Poste, euh, décision du directeur général euh, Abdoulaye Bibibaldé, après un détournement présumé d'un peu plus d'un milliard de francs CFA. Les syndicats engagent le bras de fer avec la direction générale. Euh, et donc, euh, maintenant, votre euh, regard sur euh, la crise à la Poste Je crois que. qui est dans une situation financière euh, assez spectaculaire. Euh, Événement salarial de 18 milliards de francs CFA par an pour un chiffre d'affaires de 8 milliards. Oui, je crois qu'il doit y avoir au moins un sursaut de la part du personnel et des DG réunis pour étudier les conditions pour ressusciter, pas sauver, mais ressusciter la Poste, puisque dans un pays normal, avec les ratios et les chiffres qui sont ceux de la Poste, la Poste aurait dû cesser d'exister. Je ne, je, ne jette pas, je ne veux pas d'hégémonie à qui que ce soit. Je, dis, je reste un constat clinique. Je suis politique, j'aurais pu ne pas parler comme ça parce que ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Quand on a un ratio d'endettement, c'est-à-dire des, des dettes sur fonds propres qui font 400%, toutes les normes, OADA, etc., etc., font que cette entreprise doit cesser d'exister ou à tout le moins faire l'objet d'un redressement. Euh, important. Le, ça, le, le déficit est, mais, je rappelle, est impressionnant. Quand on a la masse salariale qui est supérieure au chiffre d'affaires, on ne survit que parce que derrière, l'État du Sénégal, à travers le ministère des Finances, fait la compensation puisque à travers Poste Finance, euh, à la BCAO, l'État du Sénégal compense tous les chèques émis par, euh, par euh, la Poste en, et, en, avec les chèques remis, etc. Bon, C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que la poste est encore en survie. Le Alors, directeur général, dans sa conférence de presse cette semaine, a également euh, évoqué, euh, il a quand même évoqué une restructuration. Le directeur général, je connais bien Bibi Balde, je, je l'aime bien, mais il a, il a dans une mo mesure moindre, perpétué la culture d'entreprise et de saccage de son prédécesseur. Son prédécesseur... En cinq ans de présence. Siréga, votre compatriote de Thiès Mon concitoyen de Thiès, votre compatriote de Siréga. pour vous taquiner. Oui, ce n'est oui, pas, oui, oui. pas sa qualité de. Oui, j'ai beaucoup dénoncé quand on était au pouvoir. Je me rappelle une réunion où il était part, présent, sa gestion. Mais on mettait ça sur le compte de la rivalité politique. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un recrute 1000 agents, 1000 agents, sur. Après avoir trouvé 2000, il augmente la masse salariale de 50%. Vous allez dans des bureaux de poste à Kaulak, à Podor, à Mtchès, vous trouvez des gens qui n'ont même pas de... où s'asseoir, qui sont sous les arbres, d'autres qui ne pointent jamais, qui sont chez eux. Et comment voulez-vous qu'un président de la République qui est au courant de ça? Il est au courant de ça. Il ne bouge pas. Où est la Cour des comptes du Sénégal, M. Fall? Où est la Cour des comptes On reviendra sur la justice, vous l'avez évoqué. Mais l'indépendance de la justice, les magistrats, ils ont, bon, ils ont un beau rôle de crier quand on affecte un de leurs collègues à l'intérieur du pays, etc. Mais où est la Cour des comptes du Sénégal qui est, qui est comment, dotée... comment, comment refaire la poste, vous parlez euh, finance Mais, euh, Non, il faut d'abord... Elle compte. est déjà rudement concurrencée par euh, d'autres produits euh, nouveaux euh, euh, qui vont avec euh, les tendances mondiales. Euh, euh, C'est un peu compliqué aussi. C'était aussi le rôle de la RTP. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec des amis des de, 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 de télécoms avant que Wave ne vienne. J'ai dit, vous êtes assis sur un secteur monopolistique et le, le régulateur ne vous, ne vous aide pas. Les produits financiers vont représenter de plus en plus une part importante de vos, de vos ressources, puisque vous ne vendez plus de la voix. Les gens ne, ne, ne s'abonnent plus pour la téléphonie, euh, etc. Et donc, vous devez faire de la prospective. Et l'État, en tant qu'actionnaire, intérêt, avait intérêt à, à faire cette prospective, aussi bien pour la Sonatel que pour les postes. Mais encore faut-il que ce soit un État qui n'a pas une vision, un, un, un réflexe carnassier qui dit je case mes militants. De, du futa, de chess, de, de fatigue de, dans toutes les boîtes nationales. Je, case mes, je place mes gens, je leur donne des véhicules de, de, de la poste, de la RTP, de machin pour faire la politique le week-end. Et l'État peut se permettre de le faire, ça, l'exécutif. Mais où, est, où sont les corps de contrôle Ça, c'est une question qu'on se pose. Euh, Qu'on doit se poser pour remettre en cause euh, la situation. Il est et, et, vous, de... et vous, vos positions, Tcherno euh, Alassane salle sur ces sujets, poste téléphonie euh, euh, et sur bien d'autres, euh, vos positions ne sont-elles pas un peu guidées par votre euh, euh, position euh, politique opposant au régime de Macky Sall Oui, il y, Jean... il y a forcément de cela un peu. Oui, dans toute la mesure où, quand j'étais aussi. Position politique, pas d'opposant. Position politique dans la mesure où quand j'étais à l'intérieur du système aussi, ma position n'a pas varié sur ces questions-là. La, la gestion de la poste, que moi que vous voyez là, j'ai aucun ami recruté à la poste. Aucun. Parce que je trouve qu'une société qui est malade, on ne sait pas de l'encombrer de avec davantage de, 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 de mots. Voyez-vous oui, Donc, votre, votre combat, votre combat et, on le et, connaît. Et, et j'avais combat... dé, dénoncé, mais à l'époque déjà, on disait oui, parce qu'il a des problèmes avec le, le déjet de la Poste. Je dis, mais nous, nous avons dénoncé la gestion de la sonacos à cause, de l'encadre des de, 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 de chemins de fer. Mais pourquoi, répétons-nous les mêmes erreurs et les mêmes crimes, ce même pas des erreurs. Vos, vos des combats pour la transparence et contre la corruption et votre plainte d'ailleurs contre le ministre de l'économie numérique Yanko Badjatara, euh, qui se trouve à être par ailleurs l'un de vos adversaires à la prochaine élection communale pour la ville de Thiès, plainte auprès de l'OFNAC, l'Office anti-corruption. Euh, suite à l'annonce de Yanko Badiatara de débourser euh, 100 millions de francs CFA pour financer des projets de femmes de pièces. Il l'a fait d'ailleurs ce samedi. Hein. Yanko Badiatara a effectivement euh, remis l'échec et donc l'enveloppe des, des 100 millions de, de francs CFA, en précisant qu'il le fait avec des partenaires comme l'UIMSEC, euh, l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit. C'est un peu plus clair pour vous maintenant. Euh, Pleine, à duc, alors Absolument pas, absolument pas. C'est suite à la plainte et, à, et la, euh, la plainte de la République des Valeurs, signée par le secteur général de la République des Valeurs, parce que pour éviter justement qu'on dise que c'est personnel parce que etc. Puisque je trouve que euh, le procès qu'on essaie de nous faire en disant que c'est personnel parce qu'il est opposant etc. Reflète notre euh, l'incapacité d'indignation de notre pays. Voyez oui, Pierre Perregovoie, Premier ministre de France. Euh, il s'est suicidé parce que quand il était ministre des Finances, on lui avait prêté, prêt sans intérêt, 100 millions de francs CFA pour l'achat d'un appartement. Prêté, pardonné. Voilà quelqu'un qui, qui est ministre de la République, qui par mégaphone et à plusieurs reprises sur des sites dit qu'il a 100 millions, puis après quand nous on l'attaque, il dit 200 millions et qui est effectivement sur le terrain, parce que nous sommes ensemble sur le terrain, est en train de distribuer de l'argent. On, on va sur le terrain, on va dans un quartier, on dit, il est passé par là, il a donné 500, millions, 500 000 francs. Vous liez pas. ça à son entrée au gouvernement, au ralliement de son Mais parti Absolument. À... Et pour plusieurs raisons. Quand il dit partenaire, un ministre de la République, on, quand on lui a dit, un ministre de la République n'a pas de partenaire, quand on, quand on a porté plainte auprès des institutions, ces institutions ou ces amis ont dû lui dire, dans un premier temps, ils s'en avaient vanté. Ils ont dit que oui, s'il si, a été incapable de trouver des partenaires, lui, c'est sa faute à lui, nous, etc. Mais ils ont rétropédalé d'aller en essayant de faire un, un maquillage aujourd'hui. Mais tout le monde sait que d'abord, ils sont allés au Conseil économique, social et environnemental pour le beurre des fonds politiques. Et si lui, il dit qu'il a des partenaires qui lui permettent d'avoir 100, puis 200 millions, la moindre des choses, c'est de, 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 de l'interroger sur ces partenaires-là. Il a fait un, un, un habillage parce qu'on a dit... Il ah, n'aurait jamais eu l'opportunité Il ne si l'a pas fait il y a un an. Il a eu 15 ans de où il était adjoint au maire, adjoint au pré président du conseil départemental, etc. Ils ne l'ont jamais fait. Et en plus, monsieur... a été épinglé plusieurs fois par ses propres.. Par ses propres troupes. Il y a un colistier à lui qui a été conseillé avec lui, qui habite dans le même quartier que nous, que nous. Quand je dis nous, lui, moi, Idrissa et tous les autres, Ibrahim bas pour ne pas le nommer, et Abbas pour ne pas le nommer, qui ont porté plainte contre lui pour la razzia foncière qu'ils ont faite à Thiès durant leur mandature. Vous vous rendez compte, le, le domaine industriel de Thiès a été partagé entre copains et il y en a qui ont 2000 qui ont donné 2460 mètres carrés à leur épouse. C'était le cas de, de l'accusation d'Ibrahim Abba contre lui, qui allait porter plainte au tribunal. Hein. Pognène, on donne à des copains, à des, à des, on donne à des prétendants, des, des enfants qui viennent à peine de naître. Ces gens se sont construits des empires immobiliers sur ces conditions-là. C'est leurs habitudes. Alors, quand on vient nous dire que oui, bon, on a des partenaires, etc., nous, on dit. Quand Pastief s'est levé un matin a dit que j'ai réuni 100 millions, le ministre de l'Intérieur, c'est à 2 heures du matin qu'il a fait un communiqué pour dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand quelqu'un dit « j'ai 200 millions », ce n'est pas Salle, ce n'est pas Extra, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Justice, c'est les organes qui contrôlent la régularité des opérations électorales qui doivent dire « ces opérations en période de pré-campagne sont scandaleuses ». C'est là, c'est pourquoi on parle d'inexistence de la justice. Personne, les procureurs ont vu, les cours ont vu, Sentif a vu, Lofnac a vu. Il a fait sa déclaration à à Lofnac je l'ai faite quand j'étais ministre. On dit qu'est-ce qu'on a et on dit quels sont ses revenus. Si on a des vergers, si on a des camions qui rapportent et on déclare des impôts dessus, on fait tout. Lui il a fait ses déclarations. Mais si ce réveil il dit qu'il a 100 millions, on est en droit de lui dire d'où vous tenez ça, surtout dit les partenaire. On attend de voir les suites de cette, ben, de ils cette plainte. Ils sont en train de trouver une sorte de maquillage pour dire IMSEC, c'est-à-dire l'institut qui sont passés par des instituts de, de financement, des instruments de financement, des, de financement, ah. des institutions de financement plutôt. Mais tout ça, c est, c est, c est, nous, on a constaté sur le terrain que l'argent circule beaucoup à Thiès. Et pas que. Pas que. Le, le président de la République a lui-même dit qu'il a favorisé des listes. Mais il y a des gens à Thiès qui étaient là à son accueil quand il inaugurait l'ISEP ou autres, qui ont mobilisé beaucoup de gens, qui distribuent beaucoup d'argent et, et qui soi-disant ont des listes euh, indépendantes. En tout, tout cas, cette plainte, problème. elle sonne comme une bataille avant l'heure entre vous et Diatara, le candidat de Benno Bokoyakar au poste de maire de la ville de Thiès. Et sur ces élections, oui. vous êtes allé seul. Vous, République des valeurs, votre parti politique, on vous attendait à Wallou, vous n'y êtes pas finalement. Pourquoi en solo Nous sommes heureux, finalement, d'être allés seuls, parce que c'est ce qui est plus conforme à nos principes et aux valeurs qu'on défend. Et je pense que aujourd'hui, à l'analyse de la situation, euh, la, euh, euh, on, on voit bien que ceux qui sont allés avec Wallou, bon, je, je suis de loin, mais je sais que les gens ne sont pas très à l'aise euh, là-dedans. Euh, Vous n'êtes pas allé parce qu'il y a le PDS Abdoulaye Ouad On est allé pour, parce que quand on était au CRD, on voulait construire un projet basé sur l'éthique, la citoyenneté et les valeurs. On estime que euh, hors du CRD, avec les partenaires qui étaient indiqués, on devrait faire des, des aménagements sur ces, sur, sur, sur ces principes-là pour pouvoir battre campagne avec les, les, les gens en question. Et vous me donnez l'occasion de dire une chose importante, euh, Babacar. C'est quand il y a eu la, soi-disant, grande coalition, c'est qu'une bonne partie de la presse a répercuté le, le, le message politique de ceux qui ont mis la coalition en place. Personne ne s'est offusqué que, par exemple, Pastef soit avec euh, PDS et Taha au Sénégal personne, au contraire les gens saluaient ça comme un tour de force et comme une capacité de, 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 de mettre à la touche tout ce qui ne compte pas beaucoup mais quand nous nous avons il a été dit que nous, nous, nous allions avec le PDS, on a eu droit à un bashing sur certains plateaux qui montrent simplement que il y a une part de de parti pris de certains chroniqueurs et de certaines, de certains de vos confrères qui quand même euh, mérite qu'on y, euh, qu y, qu y fasse attention. On va vers des échéances extrêmement importantes, les élections. Il faut que tous ceux qui sont encartés dans des partis politiques, ou qui, pour des raisons obscures, supportent les partis politiques, assument et descendent sur le terrain politique et cessent le, le, d'enfourcher de, les casquettes ou d'emboucher les casquettes de chroniqueurs. Et ça, nous, nous y veillerons et nous ne serons pas... Nous, nous, nous allons. Là, je parle général, mais nous allons rendre coup par coup quand même quand les gens vont continuer à supporter ou à vouloir dire qu'il n'y a qu'une opposition dans ce pays-là. Ce temps est fini. Ces élections territoriales et la, la, le projet de charte de non-violence proposé par euh, des organisations de la société civile, vous, vous la signerez Je ne la signerai pas. Pourquoi parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de, 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 de faire en sorte d'être entre la chèvre et le chou chaque fois que la situation est difficile dans ce pays. Il faut faire un examen sérieux de la situation du pays et situer les responsabilités des uns et des autres. Je n'entends pas les gens dénoncer quand des bureaux de distribution de cartes de sont faits à, à, dans des conditions abjectes. Je n'entends pas ces gens-là s'élever quand jibril Ngom, de, de, est le, le monsieur de Yévi oui, à Matam, de, à, à Matam là, qui aurait dû se retrouver devant un palais de justice et vu au palais de la République traité comme un héros, c'est une violence extrême. Parce que des gens ont fait des efforts pendant des mois pour ressembler leur liste, pour, etc., etc. Le monsieur, en fait, je n'entends pas ces gens condamner cette, ces choses-là. Alors, il est facile après de vouloir mettre les victimes et les, et les bourreaux ensemble et de leur dire... Euh, oui, que chacun taise oui, Le bourreau, lui, il, il est à l'aise dans, dans cette affaire-là. Mais quitte des victimes, quitte de nous dont on sabote sans arrêt tout ce qu'on est en train de faire pour qu'il y ait une démocratie saine et sérieuse dans ce pays. C est, c est, c est... La démocratie ne se construit pas sur la complaisance ou, ou, ou le nup -nup comme on dit. Si on oublie tout, on recommence. On veut bien qu'il y ait des discussions, mais sérieuses. Qu'est-ce qui est à la cause de la violence Qu'est-ce qui fait que nous, on est révoltés parce que des gens prennent des millions et des milliards et achètent des électeurs devant nous et qu'on n'y puisse rien Violence politique, euh, violence euh, en tout genre dans le pays, les stades, les universités publiques. Votre analyse et Tout ça procède de la même chose. Vous voyez des Sénégalais qui ont du mal à, à réunir les deux qui ont un repas par jour, qui voient d'autres qui. Hier était avec eux dans les mêmes mouvements, mouvements politiques, dans la même opposition, brassés des milliards. Vous voyez des gens qui auraient dû rendre compte et rendre gorge des milliards qu'ils ont éngergétés, la liste des 25 là, tout le monde la connaît, qui se retrouvent aujourd'hui en donneurs de leçons et, 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 et sans que rien ne leur arrive. Vous voyez des pharmaciens qui se plaignent parce qu'on a alloué une pharmacie dans des conditions scandaleuses et personne ne peut rien euh, trouver à redire. Mais dans ces conditions-là, le droit, attention, le droit à la résistance est inscrit dans toutes les, non seulement constitutions humaines, mais dans toutes les religions. La résistance ne veut pas dire violence. Mais si cette résistance-là, et si les signaux que les gens émettent, par exemple en mars, il y a eu un cataclysme dans ce pays, la première des choses de tous ceux qui veulent aller contre la violence auraient dû dire... On analyse le pourquoi on en est arrivé là, pour pouvoir offrir des solutions pertinentes. Mais on ne dit pas, on jette un rideau sur tout cela, on fait comme si rien n'a existé, on dit à tout le monde, on se calme maintenant. Il y a un problème. Mais nous, nous préférons parler clair, parce que, comme encore une fois je dis, je ne fais pas dans le politiquement correct, parce qu'il est temps que peut-être des gens se sacrifient en se disant, nous disons tout haut ce que nous pensons clairement, pour que demain, même si on même si n'en tire rien en termes politiques, que les gens sachent au moins qu'il y a d'autres voix qui leur disent que ceci n'est pas la vérité. Voilà ce que, de notre point de vue, je ne prétends pas qu'on a la vérité absolue, mais voilà, de notre point de vue, une autre lecture possible des faits. Le retour du poste de Premier ministre, Tierno Alassane Salle, ce retour et la question à nouveau agitée d'une loi d'amnestie dont pourraient bénéficier Khalifa Sall et Karim pour retrouver leur droits civique. Y voyez-vous Hein? Euh, toutes ces infos, euh, tous ces faits rassemblés, y voyez-vous des, des manœuvres politiques en direction de 2024, euh, la prochaine élection Je ne voulais pas dire. Je, je pose une question. <laughs> mais c'est effectivement, tout porte à croire qu'il y a des manœuvres et qu'il y a des puissances étrangères derrière qui essaient de, 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 de mettre des arrangements et peut-être des parrains ici au Sénégal. Famara a disparu, mais son grand parrain... Euh, et là, toujours, euh, de, 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 je veux dire, il a disparu du devant de la scène. La lecture que je me fais, c'est que Macky Sall, en 2019, avant 2019, avait un projet clair arrêter les uns, gagner les élections. Il l'avait annoncé d'ailleurs sur France 24 et RFI. Et après, organiser les dialogues nationaux, dialogue politique national, etc. Avec, en faisant venir, venir des marabouts d'ailleurs pour venir, etc. Euh, le processus semblait aller assez correctement. On avait commencé encore à ajouter l'idée d'amnistie. Et vous vous souviendrez, sur, sur France 24, etc., avant l'élection de 2019, il avait déjà, sans le dire, évoqué l'idée d'amnistie. Il dit Après, on verra. Mais là, c'est pas possible. Parce que là, c'est pas possible. Il fallait qu'il gagne les élections. Après, on verra. Euh, il y a eu les émeutes de mars. Bon, qui ont contrarié leur plan. Maintenant, il faut ramener. Cette affaire de, 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 de ressusciter la, le dialogue sous une autre forme. Et je, je pense que tous ces appels au dialogue, tous ces, ces gens qu'on a. En termes a... clairs, vous, vous parlez d'arrangement, en termes clairs, vous pensez qu'une puissance étrangère, l'allusion, on la connaît, hein, la France, vous pensez par exemple que la France est, est en train de, de tout manigancer pour faire revenir Khalifa Sadi Disons... et Karim de au devant de la scène et peut-être euh, euh, ouvrir une voie à une succession par. Euh, les uns ou par les autres disons il serait étonnant que la france dont le sénégal est l'un des, des des plateformes l'une des plateformes les plus stables en afrique de l'ouest reste indifférent à cette situation et que qu'elle ne se qu'elle ne se pas serait une surprise c'est ça la réalité et il ne vous aura pas SAP que ce sont ces radios et Vous télé. voyez bien euh, Khalifa euh, Sall rejoindre Makissal, par exemple Je ne dis pas, pas qu'il le rejoindrait, mais il pourrait peut-être participer, comme il le dit lui-même, aux, aux élections en 2024. Euh, euh, N'oubliez pas que bon euh, le PS, euh, l'un des grands... Euh, euh, est-ce que, que, de, de est que vous pensez dans que Khalifa Sall pourrait ouvrir un boulevard à Khalifa Sal pour 2024 Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'ils sont en train d'envisager, de, de, comme il l'a lui-même dit en 2019, euh, qu'après les élections de 2019, on verrait comment trouver des réaménagements pour pouvoir réintroduire certains qui avaient été exclus par son fait, pour parler très clairement et très trivialement. Et euh, c'est ça qu'il est en train d'étudier, comment réaliser, en fait, en, sans que les Sénégalais ne se rendent compte que c'est dans le cadre d'un large projet qui avait été déjà avancé. Et des discussions ont certainement lieu, ne nous y trompons pas. Euh, tout ce qui s'est passé ici dans ce pays, 91, 98, etc., il y a eu des discussions de l'ombre. Même, le, le, il dit, on s'est réveillé un beau jour, il l a annoncé, mais il y a eu six mois de discussions. Ce pays, c'est le pays des discussions occultes des, des, des rendez-vous nocturnes et des arrangements derrière les rideaux et c'est ce qui se passe certainement actuellement ce serait étonnant que ce ne soit pas le cas et vous ne discuterez jamais avec Macky Sall ni publiquement ni euh, en dehors euh, des regards en ce qui me concerne nos lignes de fracture sont très claires euh, si on doit discuter un jour c'est de manière publique sur les conditions d'amélioration de la démocratie et des conditions de vote pour que si si je dis hein, D'amélioration de la démocratie au Sénégal, mais je crois qu'en ce qui concerne ce soit trop tard, c'est irrémédiable, il est dans sa logique et nous, nous sommes dans notre logique. Mais pour répondre à votre question, je ne suis pas absolument sûr, j'en ai pas de preuve, mais tenant compte de l'histoire politique du Sénégal, depuis Wad, avec les affaires Mertsee, tout s'est arrangé dans des discussions. Derrière les coulisses, avec des puissances étrangères, avec certainement aussi des médiateurs sénégalais. Le nom de l'ancien président euh, revient souvent, euh, socialiste. Et, Abdou Diouf. Et, oui. Et, et donc bon, Macky certainement est en train de voir et avec ses amis français et d'autres comment sortir euh, de 2024. Et vous, l'ancien ministre de Macky Sall, je rappelle, quand vous êtes entré au gouvernement, le premier poste que vous avez occupé, c'est celui de ministre des, des infrastructures et des transports terrestres, des enclavements, je crois aussi. Des transports. Des transports tout court. Oui. Euh, J'étais responsable des transports aériens. Ah, oui, en même rapport. temps, ouais. ouais. c'est votre domaine aussi. Ouais. Et après plusieurs reports, on parle du TER, le train express régional qui va débuter enfin ses navettes entre... Dakar et Diamniadio, le 27 décembre prochain, dans un peu plus d'une semaine. Bonne nouvelle, non euh, à la Al-Assansal Puisqu'on l'a payé chèrement, il faudra bien que. 650 milliards officiellement pour ce tronçon, ce premier tronçon, Dakar et Diamniadio, de 36 km, selon le gouvernement. Mais je peux vous dire une chose, c'est que dès qu'il commencera à rouler, il va participer à creuser le déficit du Sénégal. Et pour. Euh... Euh, Renflouer ce déficit, il va falloir malheureusement encore augmenter le prix des denrées de première nécessité. Alors, vous Parce qu'il est... est structurellement déficitaire. De par sa conception et les études qui avaient été faites. Euh, L'opposition estime que le terre a coûté plus que ce que le gouvernement avance. Pour le gouvernement, c'est un peu plus de 650 milliards de francs CFA. Plus de 1000 milliards selon certains adversaires de l'exécutif actuel. Euh, personnellement, vous soupçonnez des, des actes de corruption dans la réalisation de ce projet du TER Je tairai mes soupçons, mais ce que je puis dire, c'est que vous vous souvenez que le président de la République avait inauguré, euh, je pense qu'en janvier ou extra, en tout cas avant l'élection présidentielle, euh, le TER. Il l'avait inauguré. Deux ans après, on va le réinaugurer. Pour cette inauguration-là, il a fallu faire un, un avenant au marché. D'aucuns disent 90 milliards, d'autres disent qu'en réalité les coûts des travaux, c'était 40 milliards. C'est pour juste offrir à Mac, à, au président, au candidat Macky Sall, le, le plaisir de dire aux Sénégalais, je vous l'avais promis, je l'ai fait. 90 milliards pour d'aucuns, 40 milliards pour d'autres, pour pouvoir rou faire rouler un train. Vous savez, si on était en train de construire tout cet immeuble-là pour faire des studios et qu'on euh, veut montrer au, au patron de la maison que le studio est prêt, qu'il peut venir visiter, alors que rien n'est prêt par ailleurs, ni les escaliers, ni etc. etc. Euh, les, 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 les gens qui travaillent ici, vous ferez faire des, euh, des avenants pour pouvoir. C'est ça qui s'est passé. Ouais, euh, je et je parle ça montre je je parle de corruption, parce qu'on a fini, hein, on parle de corruption je suis tout sur à l'heure. Quelle oui, ouais, que la ligne de rouge de tout, tout ce qui se passe sur la poste et tout c'est-à-dire qu'on est dans un esprit carnassier qui n'a pas euh, l'efficacité le, 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 économique et le, 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 le développement en ligne de front, mais la politique la plus basse. On parle toujours de corruption, euh, pour terminer. Euh, corruption euh, dans l'attribution des marchés euh, du pétrole et du gaz euh, sénégalais, comme vous l'avez écrit dans votre euh, livre. Je l'ai démontré. Le, oui, démontré, si <laughs> vous voulez. Le, le, le livre, le de protocole d'Elysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Et d'ailleurs, thierry al euh, vous avez révélé euh, euh, oui, des choses graves euh, dans ce livre. Et, et depuis... Aucune, euh, aucune suite, euh, pas de plainte contre vous. La justice ne s'est pas non plus autosaisie. On termine par ça, la justice. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, moi, quand j'entends les. Je ne m'intéresse plus à ce qui se passe à la justice, pour vous dire vrai. Quand on parle d'affectation, etc., très sincèrement, ça ne m'intéresse plus tellement. Parce qu'une justice qui accepte au jour le jour, du matin au soir, qu'on condamne des voleurs de poulets, des voleurs de trucs, et qui sait que par ailleurs, il y a des choses. Hautement plus grave qui se passe et qui se bouche les nez ne peut plus m'intéresser. Très sincèrement, les gens aimeront commenter pourquoi on a affecté X à ici, Y à là, mais pourquoi ces X, Y, comme j'ai dit pour les, les, les travailleurs de la poste, ne se sont pas rebiffés en temps opportun Ils savent mieux que nous ce qui se passe. Ils savent mieux que nous comment. Les plaintes que j'avais faites quand j'étais déjà de la RTP ont été enterrées de première classe, en première classe. Donc, ce pays, euh, et c'est là d'ailleurs l'origine de la violence. Quand vous avez qu faut qui dort en prison, il a des parents, il a des amis, il a des, certainement des fils qui vont grandir. Et vous avez les députés payés par la République, protégés par la République. On par la République, sans qui Kilife qu n'aurait jamais eu, selon les dires, reçu des passeports diplomatiques, qui sont en liberté six mois après. Et que. Oui, ils sont convoqués devant la justice mardi bon, prochain. Bon, parce que, parce que, bon, ça commence à faire trop. Mais pas immédiatement, six mois après. Mais dans quel pays sommes-nous Et pourquoi voulez-vous que les gens ne se disent pas, puisqu'il n'y a pas de justice nous ferons justice nous-mêmes. C'est déjà arrivé au mois de mars. C'est les causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ne faisons pas semblant de dire qu'il faut appeler. Vous avez les acteurs dit à politiques à votre tour sur une deuxième vague, entre guillemets, comme l'a dit Ousmane Sonko à l'époque. Non, je dis que, comme euh, euh, dirait un célèbre euh, révolutionnaire, l'injustice porte en elle-même l'orage. L'injustice. Porte en elle-même la rage. Et on est dans un pays où l'injustice est érigée en normes. Merci, Tiéran Salsalsal, d'être repassé devant le grand jury des RFM. Alassane Alessansal, le patron du parti politique La République des valeurs. Vous candidat à la ville de Thiès et à la mairie de, de Thiès-Ouest. Merci à Yaya et Abdou. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Et les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. Me, I'm mm I'm -hmm. writing.